Nous devons faire comme Jésus a fait. Prenons un exemple. Jésus est monté sur une ânesse. Le prêtre représente Jésus-Christ sur la terre. Le prêtre représente Jésus-Christ sur la terre. Jésus a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. M'écoutez maintenant, selon l'Évangile, selon le Christ, vous écoutez Jésus-Christ. Jésus est monté sur une ânesse. Eh bien, nous allons monter aussi. On ne peut pas grand-chose d'extraordinaire. On imite, Jésus a lavé les pieds des apôtres, mais on va laver les pieds des apôtres. On ne fait pas grand-chose, on imite Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus est monté sur la croix. 11e citation. Nous allons monter sur la croix comme Jésus a fait. Alors ne soyez pas étonnés, ne soyez pas influencés ni contaminés par les hommes et les femmes. Mais effectivement, l'église primitive faisait ça. Et après, par paresse, ils ont abandonné. Le prêtre montait sur la messe. Ils ont abandonné. Le prêtre montait sur la croix, l'église primitive. Ils ont abandonné. C'est comme les fidèles voient, comme Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ a lavé les pieds des apôtres. Jeudi prochain, nous allons laver les pieds des apôtres, comme Jésus a fait. Donc on ne fait pas quelque chose de vraiment pour comment, seulement pas. Mais n'écoutez pas les gens qui nous critiquent. Ils sont des ennemis de Jésus et vos ennemis. Alors, jeudi prochain, 3h de l'après-midi, la pâte des pieds est consacrée à l'huile et l'huile sacrée. Vendredi prochain, à 3h de l'après-midi, le chemin de la croix, 14 stations. 11e station, Jésus monte sur la croix. Le prêtre va monter pour que les gens sachent comment s'est-il passé. Donc, frères et sœurs, vous avez bien compris. On ne fait rien d'extraordinaire. Nous suivons le rite catholique de tout le temps, de tous les papes, de tous les saints, de tous les saints, mais de vos ancêtres. Si vous niez la tradition, vous allez tout nier. Pour construire, pour réussir, il faut garder les vraies valeurs. N'imitez pas les hommes et les femmes déviés, contaminés par la mal, perpétués, diabolisés, ne les écoutez pas. Jésus est monté sur la messe, vous allez faire. On le voit. Jésus a été aspergé par le parfum, par cette Marie-Madeleine. Jésus a chassé sept démons de Marie-Madeleine. Après, elle était guérie, elle était fidèle jusqu'à la mort. C'est ça la fidélité des femmes. C'est le triomphe du bien contre le mal. Eh bien, oui, nous allons écouter vraiment le Te Deum. Ainsi soit-il. Amen. Oui, frères et sœurs, à tous, merci. Quelque chose, vous répondez, le Seigneur en a besoin.
Voici ton roi qui vient vers toi, humble avec humilité, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de son. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent sur eux leur manteau et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leur manteau, leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupaient de branches aux arbres et jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus, celles qui suivaient, criaient « Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient, Hosanna, au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait qui est cet homme. Et les foules répondaient, c'est Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, le roi. Acclame la parole de Dieu. Pas de précipitation. Merci à tous. Mais comment est-ce qu'il est, Vincent?